Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22h et voici les principaux titres. Convergence de vues sur la pertinence des nouveaux domaines de partenariat entre Djibouti et l'Union européenne. Pour l'actualité internationale, la croissance de l'Union européenne à la hausse. Merci encore si vous nous rejoignez sur votre journal de 22h pour avoir le journal au complet. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu une délégation japonaise du groupe Toyota dans son cabinet. Cette délégation avec à sa tête le directeur général de la division énergie et infrastructure, M. Ryo Kumon. Au terme de ces échanges, la délégation a fait savoir au Premier ministre leur désir de vouloir s'enquérir durant son séjour à Djibouti les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et plus précisément une usine d'énergie solaire dans le Grand Bara. L'énergie étant un propulseur de l'économie, le représentant de la société Nippon des constructions d'automobiles a précisé que la firme Toyota entend aujourd'hui aspire à se déplacer vers une société où les gens, les automobiles et la nature peuvent coexister en harmonie et par-delà accompagner Djibouti. Dans cette perspective, Toyota 2050, la firme prévoit de réduire l'impact environnemental de l'automobile aussi proche des zéros que possible et à la différence du temps de jeu dans des activités qui contribuent à l'environnement mondial et la société. Le Premier ministre a salué l'engagement environnemental. Celle-ci, par ailleurs, il a souligné que le développement des énergies dites propres s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique de notre pays pour atteindre son indépendance énergétique à travers le développement du potentiel existant, notamment dans le domaine de la géothermie, de l'éolienne et du solaire. Actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Aiden O'Hara, ont conjointement présidé dans la matinée tôt ce matin dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques la réunion annuelle sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Cette réunion a regroupé les représentants des ambassades européennes, dont 8 sont basées à Addis Abeba, des membres du gouvernement, de leurs secrétaires généraux, ainsi que plusieurs cadres de l'administration, les discussions entre les responsables djiboutiens et les diplomates européens. Cette journée a servi de plateforme d'échange autour des axes majeurs. La COVID-19 en premier et son impact ont été au cœur des discussions. Un échange fructueux entre les deux parties qui ont convenu à travailler en synergie pour relever les défis qui leur sont communs, mais aussi développer des réponses prudentes et des actions décisives pour une relance post-COVID-19. Ensemble, ce dialogue a été consacré aux échanges sur des thématiques d'intérêt commun telles que les préoccupations sécuritaires et des questions économiques. Cette rencontre annuelle entre les diplomates de l'Union européenne et les membres du gouvernement djiboutien a permis de mesurer l'état d'avancement de l'accord de Cotonou. Écoutons à présent l'ambassadeur de l'Union européenne. En juin l'an dernier, j'avais passé des journées entières assis à vos côtés alors que vous dirigez les négociations entre la Somalie et le Somaliland. Et nous avons parlé longuement des événements tragiques qui se déroulaient en Éthiopie. Djibouti est un acteur régional. Nous écoutons avec attention ce que vous avez à dire au sujet de l'évolution dans la région. Et c'est avec plaisir que plus tard ce matin, nous pourrons vous entendre sur ce sujet. Nous avions l'an dernier parlé d'un sentiment de renouveau en Europe. À Bruxelles, les dirigeants du Conseil, de la Commission et du Parlement européen commençaient à assumer leurs nouvelles fonctions. Cette année, nous allons vous parler de notre nouvelle stratégie pour la Corne de l'Afrique et notre nouveau programme de coopération bilatérale. Mais, et c'est sans doute le plus important, Djibouti est en période de renouvellement. Les élections pacifiques en avril en vue la réélection du président de la République et nous avons désormais un nouveau gouvernement doté de nouveaux mandats. J'adresse mes félicitations à tous les ministres, aux nouveaux comme aux anciens.
Le ministre des Affaires étrangères, à son tour, a rappelé que cette réunion annuelle sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne vise à mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et le renforcement des relations. Écoutons à présent le ministre. La crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos économies, perturbé nos politiques de développement et freiné un temps toute activité humaine en raison des confinements, cette crise aux multiples facettes est loin d'être terminée à cause de la propagation de nouveaux variants et l'indisponibilité des vaccins en quantité suffisante. La République de Djibouti a, dès le début de la pandémie, pris, comme on dit, le taureau par les cornes, en mettant en place une stratégie des 3 T, stratégie qu'on a appelée la stratégie des 3 T, tracer, tester et traiter. Fort heureusement, la première vague a été plutôt bien maîtrisée. La deuxième vague de la pandémie a été plus ravageuse en raison de variants, bien entendu. À l'heure actuelle, nos craintes se situent désormais au niveau de la troisième vague, peut-être de la quatrième. On ne sait pas encore. Mais le gouvernement de Djibouti a décidé d'accélérer la campagne de vaccination en la rendant obligatoire pour tous les voyageurs. Le rythme de vaccination s'est beaucoup amélioré, mais on est encore très loin des objectifs fixés. À ce stade, je tiens à exprimer les remerciements du gouvernement de Djibouti à l'endroit de tous les États membres de l'Union européenne. Union européenne qui a contribué gracieusement à financer d'abord le Covid Shield, dont on a reçu à peu près 24 000 doses, puis à mettre en place des mesures d'accompagnement économique. À Galilée, à présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a entamé hier matin, mercredi 7 juillet 2021, une visite surprise à la frontière de Galilée, au centre de quarantaine COVID-19, pour constater par lui-même le bon déroulement des services. Cette inspection inopinée traduit la ferme volonté du ministre de la Santé dans la politique de renforcement et de performance du système de santé et le sens du professionnalisme de responsabilité, ainsi la mise en œuvre et l'application stricte du décret présidentiel sur la vaccination anti-Covid. Le ministre a été accompagné par le préfet de la région, M. Moussa Aden, en présence du directeur général de l'hôpital régional de l'Issabié, M. Mohamed Sougué, le vice-président du conseil régional et président par intérim, M. Nour Saïd, ainsi que le chef du détachement de la police dans la région, commandant Mahdi Omar Djama. Le ministre a pu visiter le centre de quarantaine et de dépistage du COVID-19 à Galilée et l'unité de vaccination également du COVID-19 installée au poste frontière. Rappelons que les nouvelles réglementations visent l'ensemble des voyageurs pour lesquels l'autorisation de quitter le territoire est subordonnée à la présentation de l'un des documents suivants. Un certificat ou une autorisation attestant du respect de l'administration d'au moins une dose du schéma vaccination en vigueur, une attestation de l'existence de contre-indications médicales à la vaccination contre la COVID-19. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a également discuté avec le personnel soignant sur place. Également. Le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diri, a ce matin fait une déclaration portant sur la hausse du denrée alimentaire du base après un contrôle effectué par son équipe et comparé les prix de vente des produits alimentaires face à une situation qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages. Le ministre, suite à sa visite d'hier à l'usine d'huile de palme et son entretien avec le directeur de la dite usine, il a précisé que l'huile élément de base revient à un prix abordable pour tous, ce qui était de 1450 francs djibout le litre, revient à 1000 francs djibout. À en croire le ministre, cette tendance à la hausse des cours mondiaux de l'huile de palme n'est pas un cas isolé, mais plutôt mondial. Vous pouvez suivre, a-t-il dit dans le quotidien La Nation, les prix de chaque aliment.
Pour terminer, le ministre a précisé les fausses spéculations des prix d'huile de table ou encore les commerçants ne respectant pas les prix donnés par le ministère de tutelle seraient poursuivis, a appelé les populations au calme et à la sérénité, les assurant que le gouvernement travaille à protéger leurs intérêts. Une délégation conduite par Madame la secrétaire générale, Madame Anissa Hassan Abadan, représentant Madame la ministre Mona Ousmane, s'est rendue en Égypte pour participer à la 8e session de la conférence ministérielle de l'Organisation de coopération islamique, organisée sous le thème « La préservation des acquis de l'égalité en matière de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme dans le contexte de la pandémie du coronavirus et au-delà ». La conférence de haut niveau s'est tenue sous le haut patronage du président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah el-Sissi. Plusieurs points ont d'abord été débattus durant 3 jours au niveau des experts avant de passer au niveau ministériel. L'objectif de cette 8e session de la 2e réunion extraordinaire du Conseil ministériel de l'Organisation pour le développement des femmes a porté sur la proposition du budget pour le secrétariat exécutif de l'Organisation pour le développement des femmes des États membres pour l'année 2021 et 2022 et le règlement financier et comptable de l'Organisation. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille était accompagnée par M. Hassan Ali, conseiller technique auprès de la ministre. À présent, dans le cadre du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la première dame du pays et présidente de l'UNFD a honoré des leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine, issus des 5 régions de l'intérieur et ayant contribué au développement socioculturel de la région. Une forte délégation de l'UNFD composée de la vice-présidente, Mme Hasna Hamed Bilil, et de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, et des parlementaires s'est rendue à Tadjoura et ont remis les certificats d'honneur à 3 femmes de la région. La délégation a pris part à la cérémonie du 44e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a pour but d'honorer les femmes leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine. À cette occasion, les responsables de l'UNFD et les autorités locales ont procédé au nom de la présidente et première dame du pays, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd, aux remises officielles des certificats et des enveloppes honorifiques à 3 femmes leaders de la région de Tadjoura pour témoigner à toutes ces icônes pour leur dévouement, leur courage et leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Pour sa part, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilil, a pris la parole pour remercier toute l'assistance et l'accueil chaleureux réservé à la forte délégation de l'UNFD à Tadjoura pour remettre les certificats aux femmes leaders de la région. Après avoir transmis à l'assistance les salutations de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, la vice-présidente de l'UNFD a souligné que cette cérémonie est dédiée à remercier les femmes leaders de la région de Tadjoura qui ont fourni d'immenses efforts pour le développement depuis l'indépendance, notamment dans le domaine de la promotion de la femme dans la région. Ces femmes pionnières ne sont pas nombreuses aujourd'hui. Nous sommes leur remettre, a-t-elle dit, un certificat de mérite et de reconnaissance pour les services qu'elles ont rendus à la femme et au développement. Les certificats sont un signe de la main de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui honore ainsi 3 femmes de Tadjoura pour leur engagement et leadership dans la promotion de la femme et le développement. Des kits de couture ont été remis au centre de l'UNFD de Tadjoura et Mme Hassina Hamed a affirmé que la première dame reste toujours engagée auprès des femmes pour se lancer dans les activités de développement économique et social dans la région de Tadjoura et sur l'ensemble du pays. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UFPA, a organisé une formation de formateurs destinée aux responsables du ministère de la Femme et de la Famille et des bureaux régionaux du genre. Cette formation, qui s'étalera sur 3 jours dans la région de Tadjoura, animée par le consultant international, M. Omar, et le coordinateur du projet, M. Hamad Gaba Omar, réunit une vingtaine de personnes. Les principaux objectifs de cette formation sont fournir aux participants une base de connaissances sur les fondamentaux dans la conception d'un projet de développement, leur apprendre les techniques et outils pour construire les points de départ d'un projet de développement. Au niveau de 5 régions de l'intérieur,
Cette formation a pour but de former nos responsables de bureaux afin d'appuyer la communauté rurale à forger leurs connaissances en matière de production déjà et d'initiatives communautaires. L'objectif de cette formation a pour but d'apprendre à nos responsables de bureaux régionaux de former nos antennes au milieu de chaque localité, surtout les localités reculées de la région, du chef-lieu de la région, afin que chaque localité puisse développer des initiatives, des activités communautaires pour justement la promotion de leur localité rurale. Et nous espérons également recueillir prochainement de recueils en termes d'activités dans les localités rurales afin d'appuyer nos localités rurales. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bounet Tourab, et la représentante de l'OMS, Dr René, ont présidé hier à la cérémonie de lancement de l'atelier de formation du personnel de santé axé sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Organisé par la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, en étroite collaboration avec le Bureau régional de l'OMS, cette formation de 5 jours dispensée par 2 professeurs étrangers par vidéoconférence. L'objectif de la formation est d'améliorer la prise en charge des enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère avec complications en suivant les normes et directives de l'OMS inscrites dans le protocole national de prise en charge de la malnutrition. Il s'agit donc de renforcer les compétences du personnel de santé opérant dans les services des pédiatries, des hôpitaux et d'autres centres de prise en charge pour mieux identifier les formes sévères de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, de reconnaître et prendre en charge efficacement les complications médicales, de réaliser la préparation alimentaire spécifique à la prise en charge des cas avec le lait thérapeutique F100 et F115 et de suivre l'état nutritionnel des enfants durant leur séjour au service de pédiatrie. Ces nouveaux enseignements vont aussi permettre de mieux préparer les mères parents à la participation aux soins hospitaliers et à poursuivre les soins à l'ambulatoire après guérison de complications. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement, notamment l'inscription de la lutte contre la malnutrition dans le plan national de développement sanitaire. Écoutons ses propos. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir répondu à notre invitation, parce que votre présence à cette rencontre démontre tout l'intérêt que vous portez au problème de la malnutrition, qui reste une préoccupation majeure de santé dans notre pays. Mesdames et messieurs, le problème nutritionnel constitue un problème de santé publique en République de Djibouti. Les différentes enquêtes nutritionnelles et socio-économiques réalisées ces dernières années ont montré que la situation demeure toujours préoccupante. Plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement, notamment l'inscription de la malnutrition la lutte contre la malnutrition dans le plan national de développement sanitaire, la mise en place d'un programme national de nutrition depuis 2005 avec des documents normatifs tels que la politique nationale de nutrition avec des orientations multisectorielles, une stratégie de lutte contre les formes de malnutrition et un protocole de toute forme de malnutrition et un protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë. Parmi les actions assorties de ces documents, le ministère de la Santé, à travers le PNN, entreprend la mise en œuvre des interventions spécifiques en la malnutrition qui sont déjà implantées dans toutes les structures de santé du pays avec des unités de nutrition et des agents qualifiés qui prennent en charge les enfants malnutris, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes atteintes du VIH-Sida.
Autre actualité nationale, plus d'inclusion des personnes à besoins spécifiques. C'est ce qu'illustrait ce matin la clôture de cet atelier portant sur le lancement d'un livre de langage des signes pour les personnes à besoins spéciaux. Ce travail accompli par un comité a entrepris un travail de recherche colossal et de collecte de mots signés djiboutiens auprès des personnes malentendantes ou sourds ou encore muets, non scolarisés, qui parlent des langages des signes très variés selon leur environnement ou leur communauté. Le comité a réalisé un dictionnaire djiboutien de 3000 mots, un véritable instrument et un levier professionnel pour la promotion et le renforcement de l'unification de la langue des signes. Ce dictionnaire serait comme une référence aux jeunes djiboutiens de toutes les catégories pour avoir une langue nationale signée propre à eux. Financé par l'UNICEF, ce travail de longue haleine se base sur la transcription, la vidéo et la photo de ces nouveaux signes. Négatif. L'engagement fort de Djibouti depuis plusieurs années en faveur des personnes et des enfants en situation de handicap n'est plus à démontrer. En effet, beaucoup de choses sont entreprises et réalisées. Il existe surtout une volonté forte de leur garantir que leurs droits soient pleinement réalisés, que cela soit au niveau de l'éducation, de la protection sociale, de la santé et de l'employabilité. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd, a souligné que le programme d'apprentissage des langues des signes a commencé en 2019 en partenariat avec un centre spécialisé de Belgique. Cette initiative découle de la volonté du président de la République d'assurer aux personnes à besoins spéciaux tous leurs droits au même titre que les autres citoyens. L'objectif étant de mettre en place un programme qui va regrouper les vocabulaires des signes propres aux Djiboutiens. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et à la Fédération djiboutienne de natation, la Ligue régionale de natation de Djibouti a organisé en ce mercredi 7 juillet 2021 la finale du championnat de natation saison 2020-2021 à la piscine nationale. Les athlètes finalistes de plusieurs catégories, poussins, benjamins, minimes, cadets, cadettes, juniors et seniors, venant dans tous les coins de la ville, des clubs, CSAD et Calypso de Tadjoura, la ville blanche et Dobok ont participé à cette journée. La palme d'or revient au club de Tadjoura avec 15 médailles ainsi que les deux champions de la Ligue djiboutienne, Ahmed Hussein Barkhad et Aïcha Ali Adabo, qui ont enregistré les meilleures performances de la journée. Outre la secrétaire générale du SES, la journée a vu la participation également de plusieurs responsables du SES et de la famille de natation. Salam alaikum, je m'appelle Fatouma Ahmed Hassan. Je suis une athlète de la Fédération de la natation de Djibouti. Nous sortons de l'école de la natation et je suis du club de Calypso. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à la finale compétition de la natation. Et nous demandons aux autres filles de pratiquer la natation parce que c'est bien pour la santé et pour le corps aussi. Nécrologie à présent, l'ensemble de la grande famille de la gendarmerie nationale est en deuil suite au décès en service du sous-lieutenant M. Ibrahim Mahmoud Werah dans la journée du 7 juillet 2021. Le défunt a été un officier chevronné de l'institution avec plus de 32 ans de bons et loyaux services pour la gendarmerie nationale. Il laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Dans ces moments de consternation, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim ainsi que tous les officiers, sous-officiers, gendarmes et personnels civils de l'institution adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, comme j'ai mentionné dans les titres, la croissance de l'économie européenne devrait être plus élevée que prévu cette année.
Dans ses prévisions présentées mercredi, la Commission européenne estime qu'il s'agira du plus haut taux d'activité observé depuis une décennie. Le produit intérieur brut de l'Union européenne devrait atteindre 4,8% en 2021 et 4,5% en 2022. Ces chiffres sont identiques pour la zone euro. Cette reprise annoncée est cependant très inégale. La Commission estime par exemple que l'Italie devrait retrouver en 2023 son niveau de croissance d'avant-crise quand la Pologne devrait y parvenir dans les prochains mois. Le commissaire européen en charge de l'économie souligne que le plan de relance de l'Union européenne doit justement niveler ces différences. Les pays du sud de l'Union européenne, fortement dépendants du tourisme et particulièrement frappés par la crise, devraient profiter au mieux de l'amélioration de la situation sanitaire et de la levée des restrictions. Mais l'ombre du variant Delta plane toutefois sur l'embellie annoncée. Le risque d'une augmentation des infections ne devrait cependant pas affecter de façon substantielle la saison touristique. Plus de 62% de la population adulte dans l'Union européenne a déjà reçu une première injection. À ces rythmes, certains espèrent parvenir d'ici la fin de l'année au niveau nécessaire pour atteindre l'immunité collective. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme et bon week-end. 4.